Bonjour, vous êtes avec Monsieur Youssef Dalé qui va vous expliquer clairement le conte philosophique de Candide ou l'optimisme du grand écrivain et philosophe français très célèbre dans le monde entier. Il s'agit bien sûr de Voltaire. Bienvenue, mes chers élèves du deuxième année de baccalauréat, bien sûr, les abonnés de Chronobac 2018 sur Facebook et aussi sans oublier les candidats bac libre qui vont passer bien sûr le national 2018 en juin. Je vous souhaite bien sûr très bonne réussite, vous aussi. Alors, avant de faire la lecture, il vaut mieux de faire un petit rappel ce qu'on a déjà vu, les chapitres qu'on a déjà étudiés dans les précédentes séances. On va commencer par le chapitre premier. Il s'agit bien sûr de comment Candide fait élever dans un beau château de tronc de monsieur le baron de Thundertantronk à Westphalie en Allemagne. Et comment il fut chassé de celui-ci. Dans le chapitre second, ce que devint Candide parmi les Bulgares. Ça veut dire qu'il y a une guerre entre les Bulgares et les Abares. Ce qu'on a déjà vu dans le chapitre troisième, ce qu'on appelle la boucherie aurique, mais entre les deux armées, entre guillemets, les héros, hein, qui font des massacres pour les deux populations, des Bulgares et des Abares. Alors, comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ceux qu'il devint? Chapitre troisième. Alors, à la fin du chapitre troisième, on a déjà vu qu'elle a rencontré un gueux qui est donc ce gueux, ce qu'on va voir dans le chapitre quatrième, comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, qu'il en a devint. Alors, avant tout, il vaut mieux de faire une petite lecture de résumé. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, chapitre quatrième, Candide donna deux florins au gueux. Alors, ce dernier, en larmes, lui révéla qu'il était Pangloss. Candide l'emmena dans l'étable de son hôte et lui donna du pain. Le philosophe lui apprit que Cunégonde, pardon, était morte, éventrée par des soldats bulgares après avoir été violée. Le baron, sa femme et son fils furent également tués. Pangloss lui dit que c'était l'amour qu'il avait mis dans un si piteux état. La femme de la baronne lui avait transmis la virole. Alors Candide pria l'anabaptiste Jacques, aussi ce dernier fit-il soigner Pangloss à ses propres frais. Le malade fait guérir, ça veut dire qu'il s'agit de Pangloss, de la virole, mais il perdit un œil et une oreille. 2 mois après, Jacques emmena avec lui Candide et Pangloss à Lisbonne, au Portugal. Hein? Le bateau à bord duquel ils voyageaient fut assailli par une violente tempête. Voilà, c'est ça ce qu'on va voir bien sûr dans le chapitre quatrième. Alors suivez avec moi une petite lecture. On va voir maintenant lecture générale de ce chapitre, ou magistrale. Du mieux. Chapitre quatrième, voici une lecture magistrale. Suivez avec moi et vivez bien sûr l'action. Imaginez bien sûr l'action et les personnages. Alors, chapitre quatrième, comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qu'il en vint. Voici donc le chapitre, la lecture magistrale de ce chapitre. Alors, Candide, plus humain encore, de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme, il s'agit bien sûr de Pangloss, le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta son cou. Candide, effrayé, recule. Alors qu'est-ce qu'il dit le fantôme, le misérable? Hélas! Ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Alors, une grande surprise frappa bien sûr Candide. Qu'entends-je? Vous, mon cher maître, vous?
dans cet état horrible? Quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau du château? Qu'est devenue Mademoiselle Cunégonde, la perle du Fi, le chef-d'œuvre de la nature? Alors, dit Pangloss, je n'en peux plus. Alors, aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste Jacques, où il lui fit manger un peu de pain. Et quand Pangloss fut refait, Candide dit: eh bien, Cunégonde, reprit l'autre, elle est morte. Candide s'évanouit à ce mot, son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard pas dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte? Ah, oh, meilleur du monde! Où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied? Non, dit Pangloss. Il a été éventré par des soldats bulgares après avoir été violé autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pépille traitait précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés, car les avares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. Alors je rappelle bien sûr ce passage de Pangloss. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il a été éventré par des soldats bulgares, après avoir été violé autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron, qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pipi traitait précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton. Pas un canard, pas un arbre, mais nous avons été bien vengés, hein? Car les avares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. À ce discours, Candide s'évanouit encore, mais revenait à soi et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet, et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. Hélas, dit l'autre, c'est l'amour. L'amour, le consolateur des gens humains, le conservateur de l'univers. L'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas, dit Candide, je l'ai connu, cet amour, ce souverain du cœur, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable? Alors Pangloss répondait en ces termes. Oh mon cher Candide, vous avez connu Paquette, hein? Cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. Elle en était infectée. Elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent.
d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il avait eu d'une vieille comtesse qu'il avait reçue d'un capitaine de cavalerie. Qu'il la devait à une marquise, qu'il la tenait d'un page qu'il avait reçu d'un jésuite, qui en tant novice l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Alors, pour moi, je ne la donnerai à personne car je me meurs. Il vaut mieux de répéter, bien sûr, ce passage de Pangloss parce que je trouve très intéressant et en même temps très comique. Regarde. Pangloss répondait en ce terme. Oh, mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'écoutais dans ses bras les délices du paradis qui en produisent ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. L'on était infecté, l'on est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant, qui avait remonté à la source, car il avait eu d'une vieille comtesse qu'il avait reçue d'un capitaine de cavalerie, qu'il la devait à une marquise, qu'il la tenait d'un page, qu'il avait reçu d'un jésuite, qui étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me meurs. Oh, Pangloss, s'écria Candide. Voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fait la souche? Alors, ce grand homme, il s'agit de Pangloss répliqua. Point du tout. C'est une chose indispensable dans le meilleur du monde. Ingrédients nécessaires. Car ces colombes n'avaient pas attrapé dans une hule de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération et qui est évidemment l'opposé des grands buts de la nature. Nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille. Il faut observer, il faut encore observer que jusqu'à aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière. Comme la controverse, le Turc, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais, je ne sais pas qui, ne la connaissaient pas encore. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, il a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ses grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires bien élevés qui décident du destin des États. On peut t'assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté. Voilà qui.
admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir. La Pangloss se demande. Et comment le puis-je? Dit Pangloss. Je n'ai pas le sou, mon ami. Et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. Bien sûr, il s'agit de la Hollande. Alors, ce dernier discours détermina Candide. Elle alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques. Il lui fit une peinture si tranchante de l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss et le fit guérir à ses dépenses. Pangloss, dans la cure, ne perdait qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne, au Portugal, pour les affaires de son commerce, il metta dans son vaisseau ses deux philosophes, Pangloss et Candide. Alors Pangloss lui expliqua comment tout était en ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Regardons ce qu'elle a répondu Jacques. Il faut bien, disait-il, ça veut dire Jacques, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups et sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnette. Ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer créanciers. Alors je répète encore une fois ce qu'il a dit. Un anabaptiste Jacques à ce Pangloss. Il faut bien que les hommes aient un peu corrompu la nature. Oui, c'est vrai, ils ont corrompu la nature. Alors, car ils ne sont point nés loups et ils sont devenus loups. Oui, c'est vrai. Dieu ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnette. Ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Tu as raison. Anabaptiste Jacques, je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Alors, tout cela était indispensable, répliquait le docteur Bourgogne. Tout cela était indispensable, répliqua le docteur Borgne. Et les malheurs particuliers font bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien. Alors, tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, le vent soufflait des quatre coins du monde et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. Alors maintenant, on va mieux de faire un deuxième résumé pour comprendre ce chapitre. Alors voici un résumé, chapitre 4. Alors le gueux n'est en fait que Pangloss, devenu méconnaissable par la vérole. Alors Candide le mène chez l'anabaptiste pour le soigner. Toutefois, Pangloss a perdu un œil et une oreille. Il apprend à Candide la mort de Cunégonde, violée et ventrée par des soldats bulgares, ainsi que la mort du baron et de la baronne. Il lui apprend également que le château de Thunder Ten Tronckh a été complètement détruit.
Malgré ces atrocités, Banclos prend son optimisme et raisonne sur la généalogie de la Vérone. Il affirme que cette maladie est une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire. Quant à la Baptiste, il regrette l'œuvre des hommes qui corrompent la nature, car dit-il, ils ne sont point nés loups et sont devenus loups. Jacques l'Anabaptiste embauche Pangloss et lui offre un travail de comptable. 2 mois plus tard, il emmène Candide et Pangloss à Lisbonne, au Portugal. Alors, Candide et Pangloss sont arrivés maintenant à Lisbonne, mais d'après vous, qui donc la suite, ce qu'on va voir dans le chapitre 5 et 1, au revoir et à la prochaine.